endroit se trouve le carton d'expédition officiel Maison Morphin que tous les clients reçoivent pour la collection MM24-04, une collection made in France qui est également designée ici dans nos locaux en Ardèche et qui met en avant également l'excellence suisse. Durant les 15 prochaines minutes, nous allons unboxer ce colis minutieusement avec tous les détails que vous recevez lorsque vous commandez une MM24-04. Let's go, c'est parti. On attaque de suite avec l'unboxing. On commence évidemment par enlever le petit autocollant. Alors de base, évidemment, c'est du scotch, mais pour la vidéo, on a juste mis un petit autocollant. Et là, on arrive sur la première partie. Hop, donc la première partie est composée d'une lettre de remerciement un petit peu pailletée. On est allé vraiment pousser les détails jusqu'à la qualité du papier pour la lettre de remerciement. C'est pas également du doré imprimé, mais c'est véritablement de la feuille dorée. Donc évidemment, on remercie le client. On l'invite à laisser une évaluation sur Trustpilot où on est fièrement noté 4,9 étoiles sur 5. On est bientôt 200 avis, donc on est très content. Donc voilà, lettre de remerciement, première chose évidente pour remercier la fidélité du client. On retrouve ici un petit goodies, on n'en parle même pas. C'est un petit porte-clé pour penser à Maison Morphin au quotidien et voilà, avoir un petit sentiment d'appartenance également à la petite famille Maison Morphin, donc c'est plutôt sympa. On l'inclut dans les colis de cette collection. Ici, on a un petit pochon et à l'intérieur, on retrouve un accessoire qui, selon moi, est plutôt intéressant. Pochon très qualitatif, hein, une sorte de velours. On retrouve donc la paire de gants officielle qu'on va enfiler pour faire l'unboxing. C'est l'idée aussi de pouvoir avoir la paire de gants pour unboxer sa commande, ne pas mettre de traces de doigts et pouvoir voilà, hop, ouvrir soigneusement le reste. Ça est dans un petit pochon. Feuille dorée également pour celui-ci, on néglige pas les détails. On retrouve ici un petit sticker pour ouvrir le papier de soie. Donc on va venir l'enlever délicatement. Hop. Et on va venir unboxer ce colis en enlevant le papier de soie logoté du logo Maison Morphin. On enlève les papiers chiffonnés. Et là, on commence à avoir accès aux deux coffrets, on va dire, principaux de la maison, l'écrin et le carton d'accessoires, enfin le coffret d'accessoires, hop, qu'on va venir enlever gentiment. On va également récupérer l'écrin très imposant et plutôt lourd aussi. En l'occurrence, dedans, il y a la chocolat. Et on va venir, hop, présenter le tout de suite. On attaque donc de suite, on met l'écrin de côté par le coffret d'accessoires, donc coffret qui est noir, vraiment très profond et avec également de la feuille d'or au niveau du logo, donc plutôt bien terminé. On retrouve des aimants pour la partie ici, voilà, qui permet vraiment d'avoir une fermeture facile, et à l'intérieur on retrouve un panel d'accessoires, le logo Maison Morphin ici également, et on retrouve un kit complet pour ajuster les bracelets des montres que l'on a à la maison, y compris celle de Maison Morphin, avec le chasse-goupille et également la fourche qui permet d'enlever les bracelets acier et cuir. Donc là on a la fourche, ici on a le chasse-goupille, on a le marteau en acier avec voilà, un système pour récupérer le marteau plutôt simple. Alors avec les gants c'est pas si simple que ça, voilà. Donc le marteau, la petite pointe acrylique pour pas endommager évidemment la montre quand on vient refermer la goupille, le support classique comme ceci pour pouvoir mettre la montre de profil et chasser correctement les goupilles sans qu'elles bougent. On retrouve une loupe d'horloger x10 de contrôle en aluminium, hein. Donc c'est pas du plastique comme on avait pu faire dans le passé, on a upgrade également à ce niveau là. Donc loupe de contrôle toujours intéressant pour voir justement les micro détails sur sa montre. On a une housse de voyage imitation un peu d'un, très qualitative avec le petit bouton pression, et à l'intérieur on retrouve hop ici un petit support cartonné pour mettre sa montre tout autour, donc plutôt intéressant quand on veut glisser la montre dans sa poche sans la rayer. Une petite housse qui est plutôt pratico-pratique, voilà, ici, qui vient se poser comme ceci. Ici, on retrouve un support acrylique, donc support acrylique en deux parties, hop, de bijouterie qui permet de mettre en avant sa montre, donc hop, ça marche comme ceci, et on peut mettre en avant sa montre à la maison, l'exposer dans son salon, dans sa chambre. En l'occurrence, il y a mes petites traces de doigts, mais c'est intéressant. Et ça permet de mettre en avant voilà, l'œuvre d'art qu'on a à la maison, puisque c'est aussi une montre où on a passé des dizaines et dizaines d'heures de design dessus. Donc c'est toujours intéressant de ne pas la considérer comme un objet qui donne l'heure, mais également aussi quelque chose qui promouvoit l'artisanat, etc. Et qui est aussi issu de designers professionnels ici en Ardèche et en interne. Donc voilà, petit coffret d'accessoires qui permet de faire vivre l'expérience Maison Morphin. On passe maintenant à l'écrin, donc l'écrin officiel. Très bonne finition, voilà, avec un noir un petit peu bleuté sur boîte, voilà, qui est comme ceci, qui fait quasiment un bon kilo, hein, on est quand même sur quelque chose d'imposant. Donc là, on a une surboîte classique qu'on va venir hop, enlever comme ceci. On retrouve ici la partie écrin avec la protection en tissu, une protection très qualitative. Et on retrouve à l'intérieur l'écrin qu'on va venir récupérer hop, et enlever gentiment la surboîte.
Donc on est sur un beau piano black, hein, vraiment avec un très beau vernis sans aucune aspérité ou quoi que ce soit, donc c'est très intéressant. Et on retrouve à l'intérieur la fabuleuse MM2404, la chocolat avec sa carte de garantie juste ici à droite. Donc la montre est avec son scellé, donc là on a un petit scellé Maison Morphin. Très intéressant avec voilà, le Made in avec le France et le Maison Morphin. Toujours pareil avec une finition vraiment très gold. Et ici, on a la 2404. On va parler de la montre juste après, donc je la repose juste ici et je vais vous présenter maintenant la carte de garantie. Concernant donc la carte de garantie, elle se présente comme ceci. C'est une carte métallique, hein, donc très qualitative, frosted. Donc voilà, garantie internationale. Et ici, on retrouve le numéro de série exact de la montre. En l'occurrence, on est sur la 43/50, puisque c'est une montre qui est édition limitée à 50 pièces. Et voilà, très belle, des très beaux reflets, un QR code qui renvoie sur la page contact, puisque la montre est garantie 2 ans. Donc s'il y a le moindre souci, il suffit de flasher le QR code et on a accès justement à la page contact pour pouvoir contacter Maison Morphin. Petite chose qu'on a pensé également, c'est mettre un petit ruban élastique ici afin que la carte de garantie ne bouge pas pendant le transport. C'est aussi par là que passe l'expérience. On présente maintenant cette MM2404, donc c'est une montre qui est dessinée ici en Ardèche, assemblée et contrôlée sur Besançon avec un mécanisme STP121 Swiss Made de la manufacture STP qui est localisée à Glovelier. Donc c'est une édition limitée à 50 exemplaires avec un vert saphir sur l'avant, un petit cyclope également ici. Alors j'ai pris soin de prendre le chiffon de nettoyage Maison Morphin parce que évidemment je mets quelques petites traces de doigts et je n'aime pas ça. Donc on est sur une couronne vissée, on est sur 100 mètres d'étanchéité et pour l'enlever de son slot et la présenter un petit peu plus amplement, donc voilà, on a ici la couronne qu'on va venir dévisser, hop, afin d'ajuster l'heure, avec également évidemment ça glisse un petit peu. Voilà, donc là on est axé. Avec le premier cran, on est sur la date. Donc là, on va ajuster la date. Et sur le deuxième cran, hop, on va être sur les heures. Ensuite, on vient repousser. Si on pousse au max et qu'on visse sans pousser, on va venir remonter la montre. Et si on pousse et on visse, on vient remettre la couronne à sa place. Et voilà, niveau étanchéité, là-dessus, on est bon. On a la signature Maison Morphin qui est tout autour sur le réo. Donc évidemment, je vais vous la montrer. Donc on a le MISONMORFIN, toutes les 5 minutes graduées. On a du coup des index qui sont appliqués, un beau cadran soleillé chocolat, une lunette qui est facettée, une montre qui fait 41 mm de diamètre pour seulement 10 mm d'épaisseur. On est sur de l'acier satiné sur la majorité de la montre. Donc on a de très beaux reflets au niveau de l'acier. On est sur une montre voilà, plutôt fine avec des cornes qui vont justement épouser et ben, le poignet avec un petit chanfrein poli ici sur le côté de la corne. Donc plutôt sympa. On a un caseback qui est transparent. On a le petit logo au niveau du fermoir avec une double boucle déployante, donc une boucle papillon en acier 304L qui est décoré en son centre et également qui est poli. Au niveau du caseback, on retrouve plusieurs inscriptions qui sont en 3D et qui sont justement vraiment imprégnées dans l'acier. Donc on a la référence du modèle, son étanchéité, son numéro exact également. Donc là on est sur la 43/50 autant pour moi. On a évidemment le fait que ce soit une édition limitée et le petit Besançon France. On retrouve à l'arrière le mouvement avec un dos saphir qui est du coup un mouvement STP121, sublimement décoré avec une masse oscillante avec la finition côte de Genève qui est plutôt jolie avec le Swiss Made qui est floqué sur le mouvement. Au niveau des finitions, ici évidemment il y a tous les papiers de protection, donc le bleu n'est pas intégré, c'est un papier de protection. On a un côté qui est du coup satiné avec des reflets sympas et un protège couronne pour la couronne, pour le côté esthétique, travailler un petit peu les angles, jouer avec la lumière. Donc on a quand même une montre qui est très qualitative en acier 316L et avec un beau mouvement et assemblée à la main sur Besançon. Elle se décline également en deux autres coloris. On a ici du bleu. Donc bleu, toujours pareil, le caseback transparent, le bracelet jubilé, mais cette fois-ci qui est simplement en argenté, il n'y a pas un rappel bleu comme sur la chocolat. Et on a celle que j'ai au poignet aujourd'hui, la verte, avec un beau vert soleillé qui va venir se nuancer entre le noir, le vert, etc. Voilà, et avec des beaux reflets également sur le côté latéral, avec ce bel acier satiné qui justement est du plus bel effet et qui permet vraiment de jouer avec la lumière. Donc un modèle plutôt sympa et ici par exemple on est sur la 7/50 vu que c'est une édition limitée. On finalise cet unboxing avec justement le dessous de l'écran puisqu'on retrouve une trappe qui permet de donner accès aux derniers accessoires qui sont fournis et papier de la montre. Donc on retrouve ici
une belle enveloppe, comme la même enveloppe au final que la lettre de remerciement, un petit peu pailletée, où à l'intérieur on va retrouver le certificat d'authenticité. Alors on va le sortir ensemble. Hop, certificat comme ceci. Alors ici normalement il y a le petit logo Maison Morphin qui est apposé avec une pince à gaufrer qu'on n'aura pas ici puisque le certificat n'est pas édité. Au niveau des finitions de ce certificat, on retrouve du coup le Maison Morphin et le certificat avec de la feuille d'or. Donc de belles finitions, un papier avec un beau grammage et une finition un petit peu pailletée sur le certificat. On retrouvera le modèle, le numéro de série, la date d'achat, le nom prénom de l'acquéreur, un petit texte qui explique un petit peu la certification de cette montre et le petit logo normalement en bas qui est gaufré dans le papier Maison Morphin. Une fois le certificat sorti, on retrouve la notice d'utilisation qui reprend les références du mouvement, les petits conseils de la maison, les matériaux qu'on utilise et les positions de couronne avec les détails de la montre afin de pouvoir ajuster l'heure ainsi que la date. Dernière chose, le chiffon de nettoyage qui permet de garder sa montre en très bon état, la nettoyer soigneusement à l'aide des gants qu'on retrouve ici, et c'est une fin de l'unboxing. Si jamais vous souhaitez faire l'acquisition d'une MM24-04, eh bien rendez-vous sur maisonmorphin.com. Vous avez également une rubrique qui reprend la collection intégralement avec les variantes en bracelet cuir et acier, de multiples détails concernant l'assemblage, des photos en atelier, des photos également macro qui montrera les différents détails sur ce fabuleux cadran soleillé, et je vous invite également à pourquoi pas passer la porte au 39 Grande Rue à Tournon-sur-Rhône en showroom pour venir les essayer. À l'heure actuelle, il reste moins de 20 exemplaires par coloris pour ce modèle, donc n'hésitez pas, les fêtes approchent, alors faites-vous plaisir.